Maeva Guénam est en plein cauchemar. De retour du bloc opératoire après son intervention chirurgicale qui avait pour objectif de réduire la taille de ses hanches, l'influenceuse s'est filmée entièrement nue dans un cadre privé car elle voulait voir le résultat de son opération. Malheureusement pour elle, elle a posté cette vidéo par erreur dans sa story et celle-ci a été massivement relayée sur la toile. De quoi mettre la jeune femme dans tous ses états. Bah, j'ai trop les nerfs, je viens de sortir. Voilà, là j'ai fait enlever, je vous explique, j'avais une hanche plus grosse que l'autre, ok? Donc là j'ai dû enlever toute mon injection que j'avais ici, et là j'attends que la peau elle se rétracte pour que ce soit homogène. J'avais une hanche, elle était grosse, l'autre elle était archi grosse, j'avais un vrai défaut, ils m'ont tout enlevé, je voulais voir, sans faire exprès, j'ai mis dans ma story, arrêtez de m'appeler, j'ai vu que j'ai fait une erreur, j'ai tout de suite supprimé, ça y est, oh je peux plus, j'ai une... la combro de ma vie, oh là là, j'ai honte sur la vie de ma mère, j'ai honte, j'ai trop les nerfs, j'ai trop honte. En plus, là, il m'a fait une vraie ponction, hein, que comme j'avais mis un produit interdit dans mes fesses, que j'arrivais pas à me débarrasser, il m'a fait une vraie ponction. Ça veut dire là, j'ai tout dégagé. Et du coup, je sors du bloc, donc du coup, j'ai la peau, elle est toute rétractée, le temps que ça se remette bien en place. Écoutez-moi bien, vous avez vu que ce soit mon entourage ou pas, il y a une seule personne qui remue le couteau dans la plaie et qui me reparle de cette vidéo, je le bloque sa mère. Ça vous va? Oh, les gens, vous aimez vous réjouir du malheur des autres, vous aimez quand les gens ils sont humiliés et même quand c'est les gens que vous connaissez ou que soi-disant vous aimez. Vous êtes là, vous me reparlez de la vidéo, vous me téléphonez, vous croyez que j'ai pas vu? Vous avez pas vu ma story d'après? Vous croyez que je suis pas bien? Je comprends pas. Ou alors vous m'envoyez les vidéos. Vous me renvoyez la vidéo, je l'ai pas assez vue, je souffre pas assez, hein? Vous voulez quoi, me voir à terre? Allez tous vous faire en... Une seule personne, elle me reparle de cette vidéo, je lui insulte ses morts et je lui bloque sa mère. Ma famille, mon entourage, mes amis, tout le monde. Les gens, vous aimez trop vous réjouir du malheur des autres. Vous aimez trop du malheur des autres. Vous aimez trop remuer le couteau dans la plaie. Je souffre, je suis pas bien, j'ai honte. J'ai pas assez honte comme ça de ce que je viens de faire, que vous m'envoyez la vidéo, même.